Oui. Matin, on fait des plaisanteries à ta maman, à ma maman. Génial, non, non. Ce soir, je suis juste déshérité, hein, je le dis comme ça. Je vais le gronder. À la limite, viens. Mademoiselle Karine, il ne va pas hériter des chèvres du village. Je vais le gronder. Et oui, ben, nous aussi, on s'est vengé. On t'a appelé hier. C'est Géronimo qui t'a appelé hier. Oui, je vous confirme. Karine. J'étais en tournage. Enfin, je regardais des séquences de L'Amour au menu qui va bientôt être diffusée sur Direct8. Oui. Au passage. Et au passage, ça s'est fait. Et à ce moment-là, téléphone sonne en numéro masqué. Comme et là, c'était maman. Claude François. Et là, c'était, bah, vous allez écouter, je vous en dis pas plus. Florilège c'est génial. De voix. Non, non, t'avais mais c'était compris, très drôle. Pas bah, si, j'ai compris très vite. Écoutez. Allez. C'est pas une petite musique d'attente, ça. Ah, oui, bonsoir, je m'appelle Laurent Sirtaki, j'habite Paris, j'ai 41 ans, je travaille dans le cinéma, je suis cascadeur. C'est quoi ces canailles? Et qui était à Paris? Non, c'est plutôt à moi de vous demander qui êtes-vous. Oh, vous m'avez vu à la télévision. C'est quoi ces conneries? J'écoute. Bah non, c'est moi qui t'écoute. Je suis un copain de Nove, il m'a dit que t'aurais rien quand t'as pris sa cassette avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je suis un gros chaud de la bite. Pardon? Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. T'entends? C'est n'importe quoi. Allô? Karine? Oui. Est-ce que vous avez des souvenirs de vos premiers flirts? J'en sais rien. Alors racontez-nous. J'en sais rien, moi. Karine? Elle se marre tout le temps. Dis-moi. Oui. Tu suces? Ouais. Non, mais attends. C'est quoi, tu veux me piéger, là, ou quoi? Toi, ta gueule. Ta gueule, maintenant. Le truc, il me dit pas. Tu t'énerves pour rien. Il me dit que je m'énerve pour rien, mais c'est un truc enregistré. Toi, t'es à chier. Moi, je suis à chier. Oh, putain. Il me dit que je suis à chier maintenant. Karine? Oui. T'es bonne. Oh, t'es mignon. Karine? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire d'abord? Géronimo, t'as pas autre chose à faire que de me piéger? Non, toujours pas. Merde. Le télévengeur. Qu'est-ce qu'on fait alors? Tu me fais un bisou? Oui. Mais ça passe quand? C'est génial. Attends, tu peux répéter pour mon répondeur? Il raccroche jamais. Bon, ben, je te laisse, hein. On se voit demain. Oh oui, d'autant que c'est très excitant. D'accord. C'est con, putain. Merci, ça fait plaisir. Ciao. Il n'y avait rien de tel comme publicité. C'est vrai. Ce qui est énorme avec Karine, c'est qu'elle ne perd pas son sourire. Ouais. Du début à la fin, elle rigole. Son rire est irrésistible. Bravo, Karine. Même là, elle rigole. C'est bien, c'est raccord. Oui. C'est bien joué. Bon, on t'a bien vengé. T'es content, Géronimo? Et là, il n'y a personne au téléphone. Non, c'est à moi. Ouais, vous m'avez bien vengé. Ou... non, mais on t'a puni. C'était génial parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et donc ça fait du bien. C'est une bonne merci, récréation. Géronimo. Voilà, une bouffée d'air frais.